Bonjour, bonjour, ici Sir Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Mario 3D World. Oui, la dernière fois on s'était arrêté en plein milieu d'une zone, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Mais il faut avouer que les zones aquatiques, c'est pas forcément mon dada. Et que c'est long à faire. Ah oui, non, je pensais qu'on pouvait passer à travers une fois qu'on sacrifiait. Non, donc je ne sais absolument pas comment on fait. J'ai été aspiré! Mais pourquoi? De quelle manière? Qu'ouis-je? Oh, attendez, je vois un truc là. Je vois quelque chose là-bas. Est-ce que par hasard... Ah, bon, c'est juste pour ça. Hop là. Bon allez, on va faire quand même finir la zone parce que là on a quasiment plus de points de vie. Ça serait problématique si l'on perdait. Et qu'on demande un game over. Enfin, on demande un continue. Alors là, il va falloir inévitablement une étoile, je dirais. Étoile que l'on n'a pas. Donc, bah, si on n'a pas, on continue. Hein. Une torpille. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ah, une fleur. Oh, c'est joli. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli. Alors là, je suppose que ça va être le principe d'ascenseur. Ah, un tampon. Ouais, non, ouais. Oh. Et E1. Vas-y. Oh, vas-y, fais-moi mal, comme dirait l'autre. On va continuer et ils me mettent des méchants devant la sortie. Et hop, moi, être petit joueur. Non, parce que c'est bien beau, mais je commence à plus avoir beaucoup de points de vie, moi. Et si je commence à plus avoir de vie, tout simplement, non pas de points de vie, mais de vie, je vais avoir le problème que... ben... je vais mourir. Allez. Here we go. Tour au traquenard. Let's go. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Pour l'instant, ça se... Pour l'instant, je vois pas de gros problèmes. La zone me paraît sympathique. Bon, ça veut pas dire que je vais trouver facilement les... Je suis tombé sur les étoiles facilement, mais... Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de monter dessus. On ne meurt pas! Et hop! On avance, on avance, on avance, on avance. Hop! Et on avance. Oh, c'est beau! C'est très beau! Alors, très certainement qu'il fallait détruire les... les sorciers pour avoir la clé ici et... oui, j'ai plus le nom en tête. Et ainsi aller chercher une étoile, mais c'est pas grave. Donc, là, j'aurais cru avoir accès à un... Ah non, là, là. Ah non, c'est... D'accord. C'est... un labyrinthe comme ça pour aller chercher...
la clé pour après revenir en arrière. On a l'impression d'être à Fort Boyard là. Alors oui, j'ai bien vu les carrés qui se cassaient, mais je n'ai rien pour les casser. Et il y a quelque chose qui va me demander d'être encore plus rapide. Parce que c'est un piège. It's a trap. Vous connaissez la chanson. D'accord. Ouais. Il va falloir faire les choses. Il va donc falloir faire les choses vraiment de façon, on va dire, professionnelle. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir tout éliminer. Il doit y avoir un moyen, hein. Je pense que là-bas, il doit y avoir un endroit où la structure n'est pas aussi solidaire que le reste. Et donc avoir une porte de secours rapide, je pense. C'est dans les choses qui sont possibles, mais tout ça, on verra dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye.